Vous pouvez le voir. Tu n'es pas enveloppé. Dis à ton voisin, tu n'es pas enveloppé. Aie seulement un cœur ouvert, un esprit simple. Toi, viens ici, tente, viens ici. Suis-moi au nom de Jésus. C'est une commande. Je vais découvrir une chose. Pourquoi la tante est si jalouse de cette fille? C'est l'esprit de sa tante qui est en elle. C'est sa tante qui l'a possédée. Luc 7, le verset 16, la version du message. Nous allons commencer notre service là. C'est une jolie fille. Une très gentille fille. Mais regardez, sa tante est en train de l'embêter. Et si cette situation persistait, elle ne va pas trouver le mariage. Oui, lisons le message. Luc 7, verset 16. Luc 7, verset 16, the message. Yes. They all realized they were in a place of holy mystery. Here we are now. Ici nous sommes. Vous êtes en train de vous réaliser que vous êtes dans quelle place? La place du mystère. That God was at work among them. Yes. They were quietly worshipful and then noisily grateful. Yes. Calling out among themselves, God is back. Looking to the needs of his people. Read again that one, lisez encore avec puissance et autorité. Je ne peux pas vous écouter. Dieu est de retour pour visiter son peuple. Lisez, ma sœur, dans la version du message. Lisez. God is back, looking to the needs of his people. Dieu est de retour en train de chercher à visiter son peuple et trouver solution aux besoins de son peuple. Regardez, quand tu es en train de sourire et tu entends parler que ton oncle qui a tout l'argent de la famille est sur place, comment tu vas te sentir? Tu es en train d'attendre une aide quelconque et on te dit, la personne que tu attends est arrivée. Mais maintenant, qui est sur place? Dieu. Et c'est comme ça que vous devez attendre Dieu pour agir? Va voir 5 personnes et dis-leur, Dieu est de retour pour écouter et pour finir le problème de son peuple. Donnez-nous la musique, Dieu est de retour. Écrivez cela, dites, Dieu est de retour pour visiter son peuple. Là, nous voyons l'homme de Dieu qui est en train de faire des déclarations pour dire à son peuple que le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, est de retour pour visiter son peuple. Ici à Impact for Christ Ministries, numéro 8, croisement Small et Grams Town, Marshall Town, Johannesburg. Ça va.
Lisons-nous tous ce qui est sur l'écran. 1, 2, 3. Dieu est de retour pour visiter son peuple. Vous pouvez faire mieux que ça. Dieu est de retour et en train de chercher à atteindre le vœu et le désir de son peuple. Je ne vous ai pas bien entendu. Dieu est de retour et ayant le désir de visiter et toucher le désir de son peuple. Ceci va se manifester aujourd'hui et maintenant. L'homme de Dieu vient de déclarer que Dieu est à l'œuvre. Il est de retour pour toucher et toucher réellement les désirs de son peuple en ces lieux. Nous ne prions pas pour contrôler Dieu. Dis à ton voisin, ne prie pas avec intention de contrôler Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous ratons nos prières. Nous prions avec intention de contrôler Dieu. On ne peut pas contrôler Dieu. Dieu est Dieu. Nous prions pour être partenaire avec sa volonté. Si je suis en partenariat avec sa volonté, quelque chose va se passer. Je ne prie pas pour contrôler Dieu. Je prie pour être partenaire avec la volonté de Dieu. Oui, ma sœur, vous avez entendu ce que j'ai dit. Comment tu le fais? Oui, homme de Dieu, je prie pour contrôler Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour devenir partenaire avec la volonté de Dieu. L'homme de Dieu est en train de prier en langue là et demandant l'Esprit de Dieu de toucher cette femme, de visiter cette femme. Et nous sommes en train de le voir à l'œuvre. De par vos petits écrans, vous pouvez le voir. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Cette femme a été visitée par l'Esprit de Dieu. Toi, viens. Nous voulons voir ce que Dieu a en stock aujourd'hui pour nous. Nous ne pouvons pas être à parler en langue. Non. Si tu pries en langue, vous toi. Yes, nous voyons l'homme de Dieu, le prophète Philippe, qui vient de faire une déclaration en langue. Et voilà le résultat. Oui, allô? Nous sommes ensemble. Dieu est de retour. Faire quoi? Est-ce que tu as les besoins? Tes besoins seront rencontrés au nom de Jésus. Tes besoins seront rencontrés par la puissance de Dieu et le résultat sera le miracle. Ton besoin sera rencontré par la puissance de Dieu et le résultat sera le miracle. Est-ce que tu es en train d'attendre un miracle maintenant? Attends seulement un miracle. Et un niveau d'attente exagéré. Refuse que rien ne puisse t'empêcher. Refuse. L'ennemi est en train de nous restricter, de recevoir. Le diable place une restriction. 1 Samuel 30, verset 8. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais maintenant. Lisez rapidement. Les gens veulent recevoir leur miracle. Oui. Ton miracle a été retenu pendant longtemps. Dis à ton voisin, mon miracle a été bandé pour longtemps. Mon miracle était bloqué pour longtemps. Je ne peux plus attendre, je ne peux plus patienter. Je désire mon miracle se manifester. La provision pour mon miracle. Miracle fulfilled dream. La percée financière. Pas de limitations spirituelles. Aujourd'hui, je serai celui que Dieu veut que je sois. L'homme de Dieu vient de faire une déclaration que mon miracle était bloqué pour longtemps. Et aujourd'hui, je vais devenir celui que Dieu avait prévu que je sois. First
1 Samuel 30, verset 8. So David inquired of the Lord, saying, Shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered, Pursue, for you shall surely overcome. Overtake them, and without fail recover all. C'est pour toi. Cette promesse est pour toi. Lisez encore. On dit qu'il y en a qui ne comprennent pas encore. La foi vient par ce qu'on entend. Et on entend quoi? La parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu est en train de dire à ton propos. 1 Samuel 30, verset 8. So David inquired of the Lord, saying, Shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered, Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Ok, ça c'est une promesse de Dieu. Maintenant, la foi, on la célèbre avant que tu reçoives. Maintenant, ce que tu veux recevoir maintenant ne peut pas être quantifié. Ce que nous allons faire, c'est qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Tout ce que je peux dire, c'est merci Dieu. Chantons.
de maudire et de maudire. Cette petite fille ici, elle était en train de me maudire, elle était en train de me maudire. Mais elle ne sait pas que sa malédiction ne peut pas m'atteindre. Et mets-toi debout, si tu as le pouvoir, mets-toi debout. Ta petite puissance que tu as ne peut pas se comparer à la puissance que j'ai. Vous pouvez voir? Maintenant, ça c'est l'esprit de prostitution qui est en train de partir. La prostitution. Regardez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous allez voir au travers des écrans. Voyez. Elle a été initiée. Elle était initiée. Qu'est-ce que tu peux dire à cette fille à la maison comme ça? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Toi, mère, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux demander à cette fille de rester à la maison, lire la Bible? Non, c'est trop tard. Même si tu la fouettes, tu la gifles. Est-ce que tu peux gifler un démon? Tu peux fouetter un démon? Un démon doit être chassé et non fouetté. Regardez. Toi, viens ici. Au nom de Jésus, viens ici. Viens ici. Combien de pouvoir tu as? Combien de pouvoir tu as? Combien? Combien de pouvoir tu as? Deux? Six? Tu as l'arme? Tu as l'arme? Je te demande, je commande, je vais commander le feu sur toi. Combien? Combien de force tu as? Sept. Hé, toi, mets-toi. Assois-toi. Quel est le pouvoir qui est dangereux parmi le pouvoir que tu as? Dis-nous le plus dangereux, c'est lequel? Je vais commander le feu. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, tu as le pouvoir dans tes yeux. Viens ici, viens ici. Où encore? Où encore? Vous voyez? C'est pourquoi certains parmi vous, quand une fille te séduit, tu vas dépenser tout ton argent sur elle. Le pouvoir où? Dans les yeux. Ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes. Un homme aussi peut avoir le pouvoir dans les yeux. Et une femme peut tout se dépendre sur lui. Viens ici, toi, viens. Qu'est-ce que tu dis? C'est chaud, il fait chaud. Je veux savoir où est-ce que tu as encore le pouvoir en toi. Ok, je vais t'envoyer le feu. Je vais t'envoyer le feu. Où est le prochain pouvoir? Tu as dit dans les yeux. Et où encore? Oh, dans les bassins. Viens ici, viens nous montrer. Oh, le pouvoir dans ces bassins, regardez. Montre-nous. Et là, vous êtes en train de voir, c'est l'esprit de prostitution qui était en train de déranger cette petite fille. Et l'homme de Dieu est en train de démontrer la parole avec le pouvoir, la démonstration. C'est ce que nous vivons avec l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda. Cette fille, elle a le pouvoir des séductions dans ses bassins. Ou encore? Qu'est-ce que tu veux connaître? Je veux que cette fille soit délivrée complètement. Elle n'est pas ta fille. Mais toi, qui tu es? Qui tu es? Je sais. Je veux utiliser cette fille. En quoi? Elle doit vendre son corps. Vous écoutez? Je dois faire l'argent. Je dois faire l'argent avec le corps de cette fille. Hein? Beaucoup d'argent avec son corps. Et l'homme de Dieu demande, avec son corps. Ces jeunes garçons, ils le veulent.
Ils ont des grosses voitures, le Hammer. Oh, dis-nous encore, dit l'homme de Dieu. Hammer. Et l'homme de Dieu est en train de révéler que cette petite fille avait été enlevée par des jeunes garçons qui roulaient la voiture Hammer. Et le problème, l'homme de Dieu dit, le problème n'est pas les garçons qui l'ont enlevée avec la voiture Hammer, mais le problème c'est notre fille. Si cette fille était correcte en elle, elle n'allait pas être domptée par ce véhicule. Le Hammer, ce n'est qu'une mission, ce n'est qu'un moyen de transport pour terminer sa vie. Et toi, esprit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Qui tu es? Et cette autre fille, vous vous rappelez, chers téléspectateurs, qu'elle est envoûtée par sa tante et c'est l'esprit de sa tante qui est en train de la dompter et de la posséder pour mettre l'esprit de limitation dans sa vie et bloquer son mariage. Tu nous as provoqué en venant ici. Est-ce que c'est ta place? Toi, Hammer. Toi, viens ici. Ça, c'est ma maison. Viens ici. Et la fille est en train de dire, les esprits dans la fille sont en train de dire, laissez-nous agir. Quel est ton problème? Pourquoi tu es en train de nous déranger? Quel est ton problème? Ce sont les esprits qui parlent dans la fille. Et l'homme de Dieu les appelle avec ordre. Venez ici. Qu'est-ce que vous voulez avec cette fille? Hein? Vous avez même fait ses cheveux ici pour mettre la séduction dans sa vie. Et vous êtes en train de voir l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, est en train de défaire ses cheveux. Eux aussi, les esprits sont en train d'être camouflés dans ses esprits. Esprit des séductions, esprit des prostitutions et esprit des vagabondages. Parle! Comme vous le voyez dans vos écrans, vous pouvez voir, vous, les tantes, les oncles, dans vos maisons? Est-ce que vous pouvez appeler celle-ci une fille? Vous pouvez la faire grandir sans le pouvoir de Dieu? Toi, tu vas laisser la maison, elle va rester. Vous voyez? Celle-ci est capable de prendre même la drogue dans ta propre maison. Hein? Cigarette. Tu prends la cigarette? Oh! Le chanvre? C'est ça que tu prends, le chanvre? Qui te donne l'argent pour acheter le chanvre? Nous avons besoin de prier pour nos enfants. Regardez le chanvre. Et aller et sortir. Elle n'est jamais sortie. Elle n'est sortie que le week-end passé. Où elle était? Elle est partie avec un jeune homme qui conduisait une Hammer. Toi, stand up and set mets-toi debout, now. Je vais envoyer le feu sur toi. Viens ici, au nom de Jésus. The name of Jesus Christ. Front Allez, row. Venez, vous qui êtes Fire. Devant, envoyez le Continue. Feu sur elle. Allez-y. Et la lampe de Dieu a demandé à la congrégation d'envoyer le feu du Saint-Esprit sur ce corps, cette fille qui a été envoûtée par sa tante pour bloquer son mariage et mettre la limitation. Allez, vous qui êtes devant, envoyez le feu sur elle. Tout le monde, envoyez le feu. Nous sommes en train de voir le feu du Saint-Esprit qui est en train de consumer l'esprit mauvais qui a envoûté cette jeune fille, esprit de prostitution, esprit de rébellion, esprit de vagabondage, qui l'a poussé à commencer à boire le chanvre en dehors du toit paternel. Plus de feu, envoyez le feu. Plus encore. Plus de feu. Plus de feu, envoyez le feu. Hallelujah. L'Esprit de Dieu est tellement à l'œuvre que nous sommes en train de voir les démons qui se manifestent dans le corps des gens qui sont dans cette salle. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, le diable ne peut pas résister. Quand on rencontre le diable, c'est lui qui doit être délivré. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter dans cette salle, ici à Impact Focus Ministries, Safa Africa.
cette fois-ci, c'est cette jeune fille qui vient de sortir aussi de la masse et qui manifeste l'esprit de sirène, l'esprit de vagabondage et l'esprit de prostitution. Vous êtes en train de le voir. Les esprits mauvais en elle ne peuvent pas résister à la puissance du Saint-Esprit devant l'homme de Dieu, le prophète Philippe Bamba. Vous êtes en train de le voir, l'homme de Dieu qui est en train de délivrer cette fille de l'esprit de prostitution, de l'esprit de sirène. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà comment elle est en train de s'étendre. Pardon, papa, je ne savais pas ce qui se passait. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu où tu étais parti la semaine passée. J'étais parti m'amuser avec les amis. Comment je sais? Je ne sais pas. Quelle cigarette tu as bu? J'ai pris le chanvre. Ma fille. Ma daughter. Et quand tu étais à Bloemfontein, tu avais bu le chanvre, n'est-ce pas? Oui, prophète. La fille répond, oui, prophète. Qu'est-ce que tu avais bu? J'avais pris le chanvre. Et comment tu t'étais senti? Je m'étais senti, je ne pouvais pas me contrôler, j'avais le vertige. Et tu étais dans le véhicule, dans la voiture amère? Oui, 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 prophète. Et c'était à qui cette voiture? C'était pour un jeune garçon. Un jeune garçon qui roule une hammer? Et tu étais parti où avec ce jeune garçon? Il était juste venu me prendre. Nous sommes sortis, on causait. Et maintenant, comment tu t'étais senti quand tu avais vu le hammer? Je m'étais senti bien. La lampe de Dieu est en train de se moquer pour dire, mais comment? Pourquoi tu ne peux pas terminer tes études et avoir aussi ton hammer à toi? Je ne sais pas, prophète, c'est juste c'est la distraction. Et tu veux où? Tu veux sauter? Tu veux sauter les étapes, ne pas terminer tes études et aller directement rouler le hammer? Non, je suis fatigué de ça, répond la fille.
Je crois. Viens, toi, viens ici. Je vais envoyer le feu dans ta partie secrète. Tu ne t'es pas encore bien délivré. Allez. C'est ça le problème qu'elle a. Toi, viens ici. Je veux mettre le feu. Je veux envoyer le feu. Allez, viens, viens, viens ici. Viens. Allez, viens. Vous êtes en train de le voir. L'homme de Dieu est en train d'envoyer le feu. If we finish there, it can. Inside, à l'intérieur, inside. Oui. À l'intérieur, le feu. Vous êtes en train de le voir. L'homme de Dieu est en train d'envoyer le feu dans la partie secrète de cette jeune fille, disant, c'est ça la procédure et la formule que le monde de ténèbres a utilisée pour ouvre tes jambes. Au nom de Jésus. In Jesus name. Vous êtes en train de voir ce que l'œil n'a jamais vu, les oreilles n'ont point entendu. C'est ceci est l'œuvre de Dieu en pratique. Jésus-Christ, en prêchant, il était pratique. Et l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, faisant l'œuvre de Dieu. Oui, tu veux quoi? Tu veux le feu? Le feu? D'où tu viens? Je viens du Zimbabwe. Tu veux le feu? Où? Et pourquoi? Je veux le feu dans ma partie privée. Dans ma partie secrète. Je veux le feu dans ma partie privée. Vous êtes en train de voir. Allez, le feu! More fire. À l'intérieur, le feu. Inside, yes, this fire. Dans sa partie privée. Fire. À l'intérieur. You think I'm joking? Elle peut pas éteindre ça. Fire inside. À l'intérieur. Inside. À l'intérieur, elle ne peut pas arrêter ce feu. And she cannot switch it off because it's Holy Ghost fire. L'homme de Dieu ordonne le feu. Yeah. Vous le voyez, l'homme de Dieu est en train d'envoyer le feu pour délivrer ses enfants, ses jeunes filles. Pour délivrer cette jeune fille de la prostitution, de l'esprit de prostitution. C'est la seule solution, c'est le feu du Saint-Esprit. Le seul remède pour délivrer ses enfants de la prostitution, c'est l'esprit de Dieu. C'est le seul remède. That's all. Ok. Come here. Come here. Elle, ce n'était pas elle qui l'avait amenée ici. Je veux vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Elle est libre, elle est nettoyée. Comment tu te sens? Clean. Oui. Oui. Clean. Oui, je me sens libre. Je me sens lavé. Et toi, viens ici, essaye de proposer. Je veux vous démontrer quelque chose. Propose-la en mariage. Essaye, vas-y. C'est quelque chose d'autre. Écoute, j'ai des sentiments pour toi. Vous savez? Regardez. Je t'aime. Oui, je t'aime aussi. Tu le veux? I love you. Tu le veux? Do you want him? Hein? Hein? Oui. Oui. Do you want him? Tu le veux? Have you seen? Vous voyez, yes, le oui qu'elle est en train de dire, c'est l'ancien oui. Mais son corps est en train de fuir du jeune homme. Vous voyez? Son oui, c'est l'ancien oui. C'est son ancien elle. Sinon, avant, elle pouvait s'arrêter quand elle était encore dans la prostitution. Mais maintenant, elle est en train de fuir. Elle est en train de se retirer devant le jeune homme. Ok. Pour vous montrer qu'elle est déjà libérée de cet esprit. Venez. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu est en train de prier pour confirmer la délivrance que cette fille a reçue de l'esprit de prostitution. Merci Seigneur. Quel est ton nom? Blessing. Tu veux l'homme? Non. Non. Tu veux l'homme? Non. Pourquoi pas? Non. Mais celui-ci te veut. Non, je ne le veux pas. Vous voyez? Maintenant, elle est nettoyée. Elle refuse maintenant l'homme. Avant, elle l'acceptait. Maintenant, elle refuse. C'est un signe et de la confirmation de la délivrance que cette jeune fille vient de recevoir de l'esprit de prostitution. Regardez, ces choses, le désir sexuel, tu ne peux pas le contrôler toi-même. Le désir exagéré du sexe ne peut pas le contrôler de toi-même. Tu as besoin de l'aide. C'est un pouvoir plus que toi. Tu as besoin de l'aide. Vous comprenez? C'est tout. Va t'asseoir. Et ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois maintenir ça et tu dois témoigner ça aux autres. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres jeunes filles? Regardez, vous voyez? Maintenant, elle est réelle. Voyez, elle peut ressentir, elle regrette sa vie passée. Tu vas leur dire quoi? La fille est en train de dire, je veux leur dire les merveilles de Dieu.
Dieu m'a délivré de l'esprit de prostitution et du désir sexuel exagéré. Oh, vous pouvez voir cette fille qui est en train de déclarer, qui est en train de témoigner et de dire merci à ce que Dieu vient de faire dans sa vie. Le Seigneur vient de la délivrer de l'esprit de prostitution, de l'esprit de vagabondage sexuel. Toi, tu sais que j'ai la grâce de t'aider. Hein? Jésus, enlève le feu. Voyez? L'homme de Dieu vient de demander au feu du Saint-Esprit de quitter, de libérer cette fille. Demande-lui, comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu as encore le feu? Non, la fille dit, non, je n'ai rien. Je sens rien. C'est la parole de foi. Les choses que vous voyez se passer ici facilement, vous croyez qu'elles sont simples. Demandez-lui, parce qu'elle a senti. Elle a senti ce qui s'est passé. À partir de maintenant, ma fille vit correctement devant Dieu, s'il te plaît. J'ai échoué le diplôme, les examens d'état deux fois. Tu vois, les hommes, les jeunes hommes que tu es en train de poursuivre, d'aller vers, tu crois qu'en allant vers eux, tu crois que tu vas terminer tes études? Tu crois que tu vas le faire? Tu vas terminer tous les jeunes hommes du monde? Ok, est-ce que tu vas réécrire l'examen d'état cette année? Va t'asseoir. Nous rendons gloire à Dieu, le Seigneur vient de délivrer cette fille et cette fille, elle est réellement libre au nom de Jésus. Ok, bois ma fille, bois ma fille. Tu bois ce coca avec amour. Aujourd'hui, Dieu t'a visité. Ce qui s'est passé avec toi, témoigne-le. Et toi, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, ni la troisième fois que ça m'arrive. Chaque fois que je veux, que j'évolue spirituellement, j'arrive à un certain niveau, je me sens rétrogradé. Je rétrograde. La sœur est en train de témoigner. Est-ce que tu te réalises de ce qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu le sais? Je crois que c'est un pouvoir de génération dans notre famille. C'est un esprit de sirène. Oui, cet esprit sait que si j'avance spirituellement, je ferai des merveilles dans ma vie. Et ils veulent couper tout pour que tu n'arrives pas, que tu n'atteignes pas ta destinée. Regarde, à 7 heures ici, nous avions service à ce lieu. Tu n'habites pas loin de l'église. Tu étais où? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de boire, j'étais à la maison. J'étais en train de fêter, j'étais en train de faire l'ambiance. Ici, à côté? Ici, la nuit, le vendredi, quand nous avons la veillée ici, toi, tu es dans le boîte. Oh. Et tu t'habilles comme ça? Non, je porte les habits un peu qui me servent, des collants. Avec des longs talons, des hauts talons. Allez, mets les hauts talons, montre-nous comment tu fais. Nous ne connaissons pas la vie de la nuit dans des boîtes. Montre-nous. Ok. Et maintenant, quand tu t'habilles comme ça, oui, je porte une jupe, une courte jupe qui me sert. Et maintenant, et je pars là où il y a des gens qui sont en vie, en train de faire la vie. Ah, ok. Ok, that's where the problem is. Whenever I enter anywhere, people notice that you are the person. Yeah. So what okay. happens? Dis-nous, comment ça se passe? Oui, j'appelle tout celui qui vient devant moi et il va dépenser son argent sur moi. Ok, vous voyez? Regardez, vous croyez que c'est l'amour et tout ça, c'est le pouvoir, la puissance. Ok, après que les hommes t'aient acheté tout ce qu'ils peuvent acheter, et puis après, tu leur dis quoi? Donne-moi l'argent. Non, eux-mêmes me donnent. Et tu es allé avec qui? Avec ton copain, ton fiancé? Non, je l'ai laissé à la maison. C'est pourquoi nous avons eu des problèmes. Répond la fille. Et toi, viens. L'homme de Dieu est en train d'appeler le fiancé de cette fille. Montre-nous comment tu marches. Montre quand tu vas dans des boîtes des nuits. Et celui-ci est le fiancé de cette jeune fille. Oui, montre-nous. Comme ça. Et tu le laisses où, ton fiancé? Où? Where? Oui, monsieur, where elle te laisse où quand elle sort? At my place. Où? Elle fuit. And she goes oui, away. Elle fuit. Yes. And elle she te dit quoi? That she's at oui, elle me dit qu'elle va chez sa mère. Then et après?
quand j'appelle, quand je téléphone chez sa mère, on me dit qu'elle n'est pas là. Et puis après, elle revient plus tard, ou soit elle revient le lendemain, le matin. Et elle est en train de sentir la boisson et la cigarette. Et une fois, j'étais tellement énervé et je l'ai battue. Bon, maintenant, mais je crois que depuis que je l'ai tabassée l'autre fois, on dirait qu'elle a un peu changé. Elle est OK maintenant? Non, je crois, bon, je ne sais pas, on dirait apparemment elle a changé depuis que je l'ai tabassée. Mais toi, tu étais où tout ce temps? Moi, j'étais au travail. Bon, elle va sortir quand je suis au travail, elle sort avec ses copines, et sort, et puis elle va passer son temps le week-end. Et des fois, toute la semaine, je suis au travail et puis elle est en train de faire son ambiance. Des fois, j'ai découvert aussi dans son téléphone certains messages qu'on lui envoyait par des hommes. Quel message? On dit que non, on l'aime, et puis des messages d'amour et pour dire qu'on veut la voir. Quand est-ce que vous allez vous marier? On doit se marier bientôt. Et vous amusez comme ça? Tu peux contrôler cette fille? Non, c'est trop pour moi, homme de Dieu. Ce pouvoir est plus que son corps. Ce pouvoir, c'est plus de 2-3 générations de sa famille. C'est pas la première fois. Ce pouvoir est puissant. C'est ce que nous appelons principauté. Principauté, ça. L'homme de Dieu est en train de révéler l'esprit qui est en train de déranger cette fille. Ce sont des principautés de plus de 2 générations de sa famille. Esprit de sirène qui dérange, qui tourmente cette fille. L'esprit de prostitution. Au moment où cette fille est réellement engagée, elle est en train avec son fiancé et qui se prépare pour le mariage, et elle continue à faire la prostitution. Vous voyez, l'esprit est en train de réagir. Et l'esprit parle au fiancé. Tu crois que tu mérites cette fille? Tu n'as rien et tu n'es rien. Laisse-moi te dire, tu n'es pas de son niveau. Tu n'es pas de son standard et tu n'es rien. Et si tu continues, tu vas perdre ta vie. Voilà, l'esprit démoniaque est en train de réagir. Je vous avais dit, 3 générations. Ce jeune homme, vous pouvez le voir. Viens ici, viens. Il veut se marier. Et l'esprit est en train, la fille est en train de dire, je ne peux pas. Je veux le taper, je veux le battre. Je ne peux pas écouter cela. I'll beat him. Tu veux le taper? Ok, come. Viens. Please, viens. Come here. Ou ça serait impossible. Come and try. Viens, essaye de le taper. Viens. Il est come. Là. Viens. Viens, tabasse-le. Viens. Viens. Vas-y. Vas-y le taper. Ok. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? L'esprit maintenant dans le garçon aussi s'est réagi. Alléluia. Le garçon aussi a le même esprit de violence qui est en train de le... Voilà, vous êtes en train de le voir. Go and beat va him. Le taper. Va. Go now. Vas-y. Can you see? Vous pouvez can le you voir. Vous voyez ce qu'il y a dedans aussi de l'homme. Ce sont des esprits qui sont en train de I'm se battre what? Maintenant. L'esprit dans l'homme et l'esprit dans la femme sont en train that's de s'opposer maintenant. Oh, yeah, he knows that's a demonic power. Oh, il sait que... C'est so l'esprit démoniaque. Okay. Démoniquement, l'autre esprit est plus fort que l'autre. Et elle, elle sait maintenant. Oh, elle s'est dit, je ne savais pas que ce pouvoir était comme ça. Viens, viens. Vous avez le même pouvoir. Allez, venez ici. Allez, viens ici. Tu veux aller où? Viens. Nous sommes en train de voir des choses étranges aujourd'hui. Là, c'est la parole de Dieu à l'œuvre, la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ était en train de prier, faisant les miracles. Jésus-Christ était pratique dans ses messages. Et l'homme de Dieu faisant l'œuvre de Dieu, il essaie d'être pratique en vous montrant tout ce qui est en train de se passer au nom de Jésus. L'homme de Dieu demande à la jeune fille de toucher la main de son fiancé. C'est le seul moyen par lequel leur délivrance va venir au nom de Jésus. Touche-le. Voilà, vous voyez?
Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre là ce message, vous venez de suivre là ce DVD, ce message de la délivrance. Un culte spécial où l'homme de Dieu est en train d'exposer les esprits démoniaques. Nous disons gloire à Dieu pour ce que le Seigneur vient de faire dans la vie de nos frères et sœurs aujourd'hui. Que le nom de Jésus soit loué au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. You are my strength. The Lord is my rock.